Bon, on va peut-être se remettre au travail. Oh putain! Oh, la vie est pas facile, hein. Putain, j'ai plus un rond en poche, j'ai plus rien, je vais rentrer à la maison, ma femme, elle va me tuer. Ouais, j'aurais vu toujours personne encore ici. Allez, je vais aller voir mademoiselle. Salut tout le monde. Ouais, moi j'y vais. Ah, franchement, qu'est-ce que j'en ai marre de plus avoir de thunes là. J'aimerais bien, je sais pas, tomber sur un bon coup ou quoi, ou avoir des nouvelles des autres. Ça fait longtemps. Bah, c'est pas grave. Hein. Bon, allez, je vais aller au boulot. Je vais tranquillement, je vais aller au taf. Hein. Ma femme, elle croit que je suis au taf en plus en ce moment. J'espère que je vais pas la croiser. Putain, j'angoisse. GPS, il est mis. Allez, on y va, c'est parti. Allez. On va bosser. Tranquille. Et bouge avec ta merde là, putain. Ils sont là avec leur voiture là. Putain, une jolie voiture lui, hein. Mercedes. Et si je. Les gars. Putain, je m'en fous, allez, vas-y, je suis un fou. Allez, vas-y, descends ta voiture, descends ta voiture, je te dis toi. Allez, bouge de là. Allez, salut. ouais, parce que je vais au taf, donc faudrait que j'ai une voiture assez puissante. J'espère que ça le fera. Putain, marche bien cette voiture. Pas mal la voiture. Putain, j'espère que je vais pas croiser ma femme. Oh! Avance toi là, putain, mais c'est pas vrai ça, les gens ils sont mous sur la route en plus. Ouais, je prends les petites routes, on sait jamais, quoique non, je vais prendre l'autoroute, tant pis. Moi si je la croise, de toute façon dans cette voiture elle me reconnaîtra pas. Allez, je vais enclencher la deuxième, allez, c'est parti. Ah, faut vraiment pas que je la croise. J'aimerais bien rencontrer un poteau ou quoi sur la route là. Il n'y a pas l'air d'avoir grand monde, en tout cas sur la route où il y a du monde. Allez, bouge là avec ta Mercedes là. Ta merde sèche. Pas mal cette voiture en pêche. En espérant que. Ouais, que j'avance un peu plus. Je sais plus trop quoi faire. J'ai plus d'argent. J'ai plus rien. J'étais obligé de vendre ma Mercedes. Maintenant, j'habite dans un taudis. Je serais bien curieux de savoir ce qu'ils deviennent les autres. David, Indrid, Ray, Tommy. Ça fait un moment que j'ai plus de nouvelles d'eux. Je crois que David, il s'est casé. J'avais entendu parler, j'avais croisé Ray, il m'avait dit qu'il s'était trouvé une gonzesse. Après avoir ça duré, je sais pas. Et si ma femme, elle savait que j'étais là, je crois qu'elle me couperait la tête. J'avais dit j'arrêterais les conneries, mais j'arrive pas à travailler. Putain, faut me comprendre, j'arrive pas à travailler comme tout le monde. Ah, c'est un métier comme un autre après ce que je fais. Je vais cultiver, enfin je vais cultiver, je vais récolter, c'est pas pareil. Mais bon, c'est vrai que le travail c'est pas facile. Et tout ce qu'on a fait, je crois qu'il n'y a personne. Allez, on va prendre vite fait. Toc, toc.
Je vais me prendre là. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on va ramasser le truc. Allez, on y va. Allez, on se barre. Mais traiter tout ça. On va traiter tout ça. C'est vrai, il n'y a pas grand monde là. Ça fait plaisir qu'il n'y ait personne là, un peu là. On va faire nos petits business tranquilles. Et je dis ça, je vais croiser ma femme. Putain, faut que j'arrête de me porter la poisse. Bon, ça va, j'ai les feuilles de coca, mais c'est légal. Donc au pire, si on m'arrête, enfin, m'arrêtera pas avec cette voiture. De toute façon, je vais pas m'arrêter. Enfin, mais ils sont lents, les gens. Ils sont lents. J'espère, je vais faire attention qu'il n'y ait pas de flics, parce que alors là, si ma femme elle vient me rechercher en prison, oh là là, si elle vient me chercher au cachot, ça va pas le faire. Déjà c'est tendu entre moi et elle en ce moment. J'ai vraiment pas envie de me faire serrer par les flics. Bon, j'espère qu'il n'y a personne. On va pas faire de bruit. Allez, on est parti. C'est la contrainte, hein. Allez, c'est la contrainte, je crois. Allez, c'est parti. Ah, je crois que c'est bon, mais toi, mais j'entends du bruit là. J'entends du bruit. Comme s'il y avait une voiture. Ouais, j'espère que je vais pas me faire griller. Je parle doucement parce que sinon. Allez, c'est bon, vas-y, il en reste plus qu'un. Allez, c'est bon, on est bon, on se casse de là vite. J'ai entendu du bruit. Ouais, c'est parti, je vais pas chercher midi à 14h. Putain, il y a une voiture là. Oh, j'ai les battements au cœur, je me casse de là, je m'arrête plus maintenant, là j'ai que de la coque. Je m'arrête plus, on va passer par les petites routes. Faut pas que je l'abîme. Bon là j'ai vraiment beaucoup de drogue sur moi. J'ai vraiment pas envie de me faire arrêter par les flics ou quoi. Ah, parce que là franchement c'est. Ma femme elle le supporterait plus. Ah, je crois comme. Déjà avec tout ce qu'on a perdu, si elle voit que je me remets dans le illégal, ça va pas le faire du tout. Allez, pas de flics, j'ai entendu des sirènes en plus tout à l'heure là-bas. Là. Je sais pas, j'ai un pressentiment, j'ai un mauvais pressentiment. Faut que je fasse vite. Putain, ça me rappelle mon ancienne Mercedes que j'avais ça avant là. Oh là là, je suis dégoûté d'avoir vendu cette voiture. Je suis dégoûté. Ouais, je suis dégoûté. J'ai plus de veste, j'ai plus rien. C'est tout ce qui me restait, c'est en plus la voiture. Même la veste, j'étais obligé de la jeter parce que je me faisais trop remarquer. Je me faisais vraiment trop remarquer. C'est franchement. Après ce qu'on a fait, on a bien fait les morts. On s'est même plus recontacté d'ailleurs. C'est assez triste, hein. Moi j'aurais bien aimé rester en contact avec tout le monde là. Bon. J'espère qu'il n'y aura personne là-bas non plus. Je sais pas, j'ai une mauvaise intuition. Hein. Franchement là, j'ai un mauvais pressentiment. J'espère qu'il n'y a personne. Hein. J'espère qu'il n'y a personne. On n'est pas suivi, non. Je vais m'être prêt à partir. Allez, je vais vite vendre tout ça. J'espère qu'il n'y a personne.
J'espère qu'il n'y a personne. J'ai plus d'armes, j'ai rien sur moi en plus. C'est bon, il n'y a personne. Ah, il n'y a personne, nickel. Allez, on va revendre tout ça. Parce que franchement, ouais, je me sens pas fort arrêté avec tout ça, vite. Faut vite tout revendre. Après, je vais aller taper un petit plongeon à l'ancienne. Ah, ça date cette époque. Ça date. Bon, après, je vais rentrer à la maison parce que. Ma femme, je crois qu'elle va râler. 4 heures, j'avais dit 4 heures. Putain, il est 5 heures là. J'espère qu'elle va pas s'imaginer des choses non plus. Bon, c'est vrai que je suis allé boire un petit coup avant au bar, mais bon, après. Elle croit que je travaille encore. Putain, si elle savait que j'étais au chômage, que. Oh là là. Bon, c'est bon. On a fini. Putain, j'ai plus de thunes. En fait, j'ai plus de thunes. Oh putain, ça fait plaisir. Ça y est. Oh putain, j'ai 10 000 dollars la journée. C'est beau ça. Elle est belle la vie, non? Putain, j'adore. De reprendre l'activité illégale là, avec mes potes. Mais est-ce qu'un jour je vais les revoir aussi? C'est ça la question. Est-ce qu'un jour je vais les revoir? J'aille vite à la banque. Je vais pas me faire remarquer. Là, faut pas que je me fasse remarquer maintenant. J'ai plus de drogue, je suis tranquille. Ah ouais, parce que là, j'ai la pression de rencontrer ma femme. Ouais, je vais la garer là. Voilà. Allez, c'est parti. J'ai posé cet argent à la banque et. Putain, ma femme, elle va le voir, hein, puisque j'ai... c'est pas grave. Hein. Elle va le voir que j'ai mis tout cet argent. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, putain, c'est magnifique. Quelle belle journée de travail. Oh là là, je suis content. Ouais, bah, c'est vrai que j'ai... Putain, je crève la dalle en plus. C'est vrai, j'ai faim, j'ai soif. Je vais rentrer à la maison. Je crois que je vais appeler un taxi. Et je vais rentrer à la maison. Ouais, prendre mon téléphone, un petit taxi. Allez, c'est bon. Voilà, il devrait pas tarder à arriver. Allez, bah c'est parti, on va l'attendre là. On va l'attendre là. Allez, bon, ça y est, il m'a déposé là le taxi. Putain, la nuit commence à tomber, je vais courir parce que je vais me faire défoncer par ma femme. Oh putain, il n'y a pas sa voiture. Elle est pas là? Elle est pas là encore? C'est quoi ce bordel? Oh, elle est pas là, chérie, elle est pas là? Bon, je vais m'ouvrir une petite bière. Est-ce qu'il en reste là? Putain, que des cartons vides. Je vais m'ouvrir une petite bière. Il reste le tourneau. Puis je vais m'allonger sur le canapé un petit peu. Et... Voilà, je bois un coup en attendant, on va picoler un petit peu hein, après la journée. Allez, je vais m'installer là. Oh putain. Oh. Monsieur Ben, il est encore allongé dans son canapé. Il est encore sorti toute la nuit. Je suis sûr qu'il est encore dans son canapé. Attends. Oh putain. C'est sûr. Oh merde. Attends, non, mais tu. Mais voilà, je m'en doutais, il est encore dans son canapé. Oh chérie. Qu'est-ce que t'as foutu cette nuit? Oh, calme-toi. Qu'est-ce que t'as foutu? Ah, mais calme-toi, calme-toi. Ah, arrête, arrête. Casse pas tout, casse pas tout. Tu sors la nuit. Mais non, mais je sors pas la nuit. Arrête, arrête. Je me suis couché un peu bourré. Je vais t'en foutre une, moi, tu vas voir. Non. Attends, chérie, je vais tout expliquer. Je vais. Ah, je vais tout expliquer, je t'ai dit. Attends. Mais non, mais. Laisse-moi parler. Non, mais c'est bon. Attends. Ah! Attends, chérie, mais laisse-moi t'expliquer. T'as vraiment envie de passer la limite. Attends, arrête, casse pas tout, putain, mes pierres qui restent. Non. Mais non, attends. Chérie, laisse-moi t'expliquer. Je vais tout casser. Attends, non, attends. Putain. Je vais tout casser la dent. Non, attends, laisse-moi t'expliquer. Je vais te couper la tête. Arrête, lâche ta machette, s'il te plaît. Je vais te couper la main, C'est ma machette. C'est ma machette, ça. Attends, chérie, écoute.
Calme-toi. Rends-moi la machette. Non, mais pose. Pose la machette, s'il te plaît. Pose-moi cette machette, s'il te plaît, ma chérie. S'il te plaît, je non, vais je aller vais pas trouver. Prendre la machette. Tu ne mérites pas, je vais vraiment te couper mais la main. Je vais trouver du travail. Je vais trouver du travail. Mais c'est promis, je vais trouver du travail. Là, tu sors la nuit, tu bouges même pas. La journée, tu restes mais allongé. Mais si, hier j'étais bossé. Ça m'énerve. J'étais bossé. Encore. Mais non, j'étais bossé non, hier. Tu m'as énervé, chérie. Bon, ouais, mais ça va, je vais bosser de toute façon. Je vais bosser, on se rejoint tout à l'heure. Eh non, mais je suis sérieux. Ouais, oui, c'est bon. Attention, c'est bon. Là, c'est bon. Tu m'as énervé, c'est bon, je me tiens. Oui, là. Oui. Putain, elle me fait peur des fois. Pff, faut vraiment que je trouve une solution, mais faut vraiment que je trouve une solution. Putain. Ah oh, bon. Encore une journée, je sais pas trop ce que je vais faire. Vraiment, ça me saoule quoi. Ça me saoule. Ouais, je vais aller voir s'il n'y a pas du taf pour moi. Je vais aller voir ça. Oh là là, putain. Ouais, il est encore tôt. Mais bon, on va aller se bouger le cul hein, quand même. Hein. Même si j'ai vraiment pas envie. Hein. Bon, tant pis. Hein. Après, quand il faut, il faut. Putain, allez. Ben, je vais écraser ma clope. Putain, j'ai. Ça vibre dans ma poche. Ah, j'ai le téléphone qui sonne. C'est qui ça?